Donc, je m'appelle Louis Le Breton, j'ai 24 ans. Actuellement, donc, je suis en L3 MIAS Économétrie, donc maths appliquées. Je réalise un stage à Paris chez l'entreprise Crédit Logement. Donc, en DUT STID, un DUT STID que j'ai réalisé avant ma L3 MIAS, j'ai réalisé un stage à l'Institut des géosciences de l'environnement qui a été récompensé. Et c'est pour ça que je suis ici à la journée de statistique à Bruxelles. Et l'année prochaine, je vais continuer en master. Économétrie statistique à Paris 1 Sorbonne. Stage que j'ai réalisé avait pour objectif d'étudier l'évolution des feux de biomasse dans la zone sud de l'Afrique. Et donc, pour faire cela, j'ai utilisé les données des satellites de la NASA qui permettent de recenser l'ensemble des anomalies thermiques autour du globe. Et donc mon stage s'est agencé autour de trois principales missions. Donc la première mission, c'était une mission de pré-traitement des données. Donc tout ce qui est réalisation des fusions, des agrégations des données. Ensuite, ma seconde mission, c'était de réaliser une étude des tendances des feux de biomasse. Et ma dernière mission, c'était de réaliser des visualisations qui permettent de visualiser les feux de biomasse de façon spatio-temporelle. Ce prix, c'est pour moi une reconnaissance importante du travail que j'ai pu fournir pendant ce stage. Et puis également, je trouve que c'est quelque chose de motivant pour mes poursuites d'études, pour ma voie professionnelle, de pouvoir recevoir un prix ici à la journée de statistique, c'est quelque chose de gratifiant.